Alors comme ça, il y aurait plein de flottes sous la ville d'Oasis. Oh, quelle surprise! Désolé, mais j'ai piraté votre système Echo après notre rencontre pour voir tout ce que vous voyez. Il faut dire que je m'ennuie comme un rat mort, et c'est marrant de vous voir tuer des gens. Achetez un flingue, bon sang! Ne vous faites pas tuer! Reviens quand tu veux! J'ai peut-être 2-3 trucs à vendre, moi, du coup. Genre ça. Ça, ça, je sais pas. Ça, on va vendre. Ça aussi. À bientôt. Mais oui, c'est ça, t'es un gros vilain. Tu me fais trop peur. Si, si, je te jure. Ah, c'est pas déplaisant. Avec Zobi en route, d'un seul coup, ça va tout de suite plus vite. Juste au-dessus la quête. Est-ce qu'il y a moyen d'y accéder quand même maintenant? Merde, j'ai raté. Passons par là. Ha ha! Mec avec sa bouteille et une guitare derrière. Poserie. Alors ça c'est censé être par où? D'accord, c'est loin. La quête de Murloc. Grendel, c'est par où? C'est par là-bas. Eh ben allons-y. Non. Lorsque vous trouverez cette créature, tuez-la sans tarder. Le pauvre gars qui a lancé un écho de détresse à un certain Jesse, la créature s'est taillée un slip avec son visage. La créature s'est taillée un slip avec son visage? Pas le mec, la bestiole s'est taillée un slip avec son visage. Fait. Retourner au tableau des primes. Nous essaierons de remettre. Ah, on n'a pas vu le slip. En place avec des agrafes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi ça trempe comme ça? Ah, ça me fait revenir là. Bon, tant pis. Plutôt retirer que la mission secondaire dans les muines. De toute façon, la mission principale est juste à suivre le chemin.
Ah bah vous escape. Qu'est-ce que tu fous là-haut toi? Le skag qui joue à chat perché. Ou peut-être plutôt à skag perché. C'était nul. Ah d'accord, c'est lui qui m'a niqué mon bouclier en 30 secondes. Tiens. Par les pieds, saloperie. Ouh, le beau ralentissement. Les effets qui pètent les plombs. Je vais me remettre de la santé. Il y en a encore un. Un poids, c'est tout. Salut Jericho. Plutôt un rack perché. Bah en même temps les racks ça vole donc bon. Si vous voulez jouer au sniper, les mecs, voilà. C'est comme ça qu'on fait, je vous le dis. Merde, d'ailleurs, j'ai reçu des SMS, j'ai même pas regardé ce que c'était. Par contre, ce qui m'étonne. Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Peut-être que... Il s'est passé des choses dans mes menus. Est-ce que j'aurais raté des messages dans ces... Oups. Il y a longtemps, Marchand de Sable et moi étions comme ça. Ah oui, vous pouvez pas voir par radio. Je croise les doigts là, comme ça, meilleur pote. Hein. Et puis un jour, on est tombé sur un vieux journal du Capitaine Sabre. Ah oui, à propos du trésor. Ensemble, Marchand de Sable et moi avons retrouvé deux fragments de la boussole mystique du Capitaine Sabre. Et puis, comme une sotte, j'ai voulu le poignarder dans le dos. Littéralement. La lame s'est cassée, il m'a tiré dans la jambe et il s'est enfui. Ouais, grand moment de solitude. Mais j'ai retenu la leçon. Ne jamais trahir un ami tant qu'on n'est pas sûr d'avoir le dessus. Bouge pas. Là, ça doit faire mal. Allez.
toi, touche pipi. Va partir. Ah, enfin, quelque chose a buté. Pas de coffre, pas de coffre. J'aurais pas eu un coffre là-haut par hasard. Alors, par contre, c'est par ici qu'il est censé avoir. Du coup, je vais te tuer, toi, tes amis et ta famille. Comment pourrait-il savoir où vit votre famille? C'est... Oh, laissez tomber. Il raconte n'importe quoi. Salut Izzy, comment ça va? Mais ça va tranquille. L'équipage est prêt à se mutiner. Le cuistot que j'ai fait semblant d'exécuter. Ils l'ont trouvé traînant à Oasis pendant que je gardais le bateau. Ils l'ont pendu et ont commencé à discuter entre eux. Ils savent que j'ai jamais tué personne. À mon avis, ils vont voler des armes dans la salle du trésor et m'abattre quand j'aurai le dos tourné. Je préfère ça que de tuer mes propres hommes. Ceci est mon dernier ajout au journal de bord. Capitaine Sabre. Terminé. Alors, Captain's Blade Rapière. C'est très bien si on joue à personnage cac, mais bon, comme c'est pas mon cas. Alors, oh mais ça c'est de la merde du coup comparé à ce que j'ai. Ah, clairement. Toujours en solo ou y a moyen de te rejoindre la partie? J'ai un Salvator 36 justement. Nope, parce qu'on se connaît pas assez tout simplement. Et puis que pour l'instant c'est une aventure solo. Ça pourrait évoluer dans l'avenir, mais pour l'instant, non. Est-ce qu'il y a pas un truc planqué par là, en fait? Ah, si! Il y a même deux coffres rouges, dis donc! Si c'est pas beau, ça! Oh, mais c'est un dart, c'est chiant, ça! Ça j'ai mieux. Parce que je dis pas de bêtises. Ouais, clairement. Sirène, mais c'est nul. Ouais, tant pis. Pas de balles. En train de me dire que je suis con de pas l'avoir vu quand je jouais sur console, mais bon, en même temps, quand tu joues en split screen, c'est compliqué de voir les détails. Puis ils ont déjà hip hop, quoi. Et tu vas mourir, toi? Mais ah, oh, ils m'ont fait tomber, c'est cool. T'as pris une grenade, ça offre les pieds. Huh?
Le mec essaie de me sniper au fusil à pompe quoi. Bah alors. C'est bizarre, ça dit que je touche mais ça lui faisait aucun dégât. Sauf qu'en plus avec The Bee on entend bien quoi, parce que si ça touche ou pas, ça fait un petit bruit quoi. Plein d'argent. Oh, sirène. Mais corrosion, ça m'intéresse pas trop ça. Hop, oh, un peu de fric. Beaucoup de récupérer quand même. Faut que je fasse The Bee sur les sylvestres. Merci de me le rappeler. Mais il y a plus simple pour faire mes The Bee. Il y a le... l'animateur radio. Qui normalement le donne, de ce que je dis pas de bêtises, c'est celui qui a les meilleures chances de loot. À moins que ce soit pas le cas avec les DLC. T'aurais dû crever quand je t'en ai donné l'ordre. Je vais t'apprendre qu'un grand malheur... n'arrive jamais seul. Et ça, amenez-vous. Si j'étais deux fois plus grand, tu serais... Marchand de sable est mort. Génial! Prenez-vous 100 fragments de boussole, ça nous en fera déjà 2 sur 4. Je n'ai pas la moindre idée d'où se cachent les autres, mais bon, c'est toujours mieux. Quelque part, ça me chiffonne de ne pas avoir tué Marchand de sable en personne. Mais d'un autre côté, j'ai pris le dernier numéro de la grenouille masquée. Une grenouille justicière avec un masque? T'as quoi? T'as quoi? Cher journal. Je sais où se trouve le troisième fragment de boussole. D'après leur communication radio, ils sont persuadés que c'est un bibelot sans valeur. Ils vont la remettre à une caravane dans la région de Wormwater. J'ai plus qu'à... Ah, génial! Voilà l'autre débile d'Oasis qui vient me chercher. À plus tard, cher journal. Ouh, c'est ce qu'on appelle un coup de bol. Retournez à Wormwater qu'on récupère le troisième fragment. Le trésor perdu nous tend les bras. Depuis le DLC, c'est plus rapide de le farm sur les sylvestres, le Tiny Tina. D'accord. Je savais pas. Puis en plus, sur Tiny Tina, logiquement, tu peux avoir un niveau un peu plus élevé, j'imagine. Munitions de précision, dégâts cac et munitions de fusil à pompe max. C'est du violet, on va quand même le prendre pour stocker. Au moins ça. Exactement vu que ça se calme, ouais. Chouette.
Après, là, pour le coup, ça m'a pas du tout augmenté le niveau quand je me suis augmenté, quand je suis passé là-dessus. Hein. Les ennemis sont toujours niveau 30. Il n'y a pas de coffre ici, il me semblait. J'ai bien tout fait ce que j'avais à faire ici. Yep. On va faire ça vite fait. Non, pas de pognon. Ce DLC entre 45 et 30. Ah d'accord, les DLC ont des niveaux max. Tinitina c'est 30-50 me semble. D'accord, ok. Ah ça je savais pas. C'est un peu con en soi. Sauf que j'ai commencé le machin et j'étais niveau 35. C'est con de l'avoir limité. Il y a un effet de vague. J'avais pas fait gaffe. Après c'est un peu con, il y a pas de raison qu'il y ait des vagues. Ah d'accord, ça se... oui. Il y a la flotte qui pop par le milieu en fait. Bonjour pour le capitalisme. On n'est jamais assez bien armé. À l'agonie, tout pour soigner. Alors, est-ce que j'ai chopé des trucs à vendre? Ça j'utiliserai pas. Ah ça, qu'est-ce que ça fait? Nec pluribus impar salope. Ok. Alors, Kadunk Ga 12 Pander. Alors. Dégâts accrus, taille du chargeur réduite, mais vitesse de rechargement rapide, tire des projectiles qui suivent une trajectoire en arc qui explose quand il touche un ennemi ou effectue des ricochets avec des trajectoires paraboliques lorsqu'il percute une surface inerte avant d'exploser. Le projectile initial peut induire un coup critique. Ouais. Moins. J'ai quoi déjà le mien? Ouais, il fait un tout petit peu plus de dégâts, mais le mien il a un fonctionnement classique. Plus de munitions en chargeur et puis il fait du slag. Plus précis en plus. Ouais, on va le vendre. Même si ça peut être rigolo. Alors, Oasis, Oasis. Sa roquette lanceur unique, qui me semble, est plutôt pas mal. Bah, comme je viens de lire, ouais. En soi, il fait des bons dégâts, hein, c'est pas le souci. Le problème, c'est le fonctionnement qui est pas... Le problème, c'est que lance-roquette, en fait, quand tu mises... Surtout qu'il n'est pas bien précis. Du coup, tu mises plus sur le fait de tirer au pied de ton adversaire que de viser correctement. Or, là, le machin s'y rebondit alors que tu vises les pieds, c'est pas bon. Ça va pas. Bonne nouvelle! Vous n'aurez pas à m'aider à agrafer le visage de Jesse. Il est mort. L'hémophilie. Alors, viens voir, qu'est-ce que... Pied léger, compétence, simulation. Que des trucs dont je m'en bats les couilles.
contre, j'aurais bien trouvé un truc de temps de latence, quoi. J'ai pas trouvé mieux depuis, c'est quand même un peu de l'arnaque, ça. J'aurais dû trouver 15 fois mieux depuis longtemps. C'est un certain celui-là, ouais. Dis quoi? Dis plus que les autres de... Same level. Pour un Salvador, ça le fait. Ouais. Même pour Salvador, je suis pas... Pas bien convaincu. Surtout que Salvador, je le trouve plus efficace avec Bah, je trouve pas qu'il en soit quête soit très adapté à Salvador en fait. Je trouve que les lance-roquettes, en fait, le seul intérêt des lance-roquettes, c'est de te permettre d'avoir un second souffle assez facilement en balançant une roquette dans la gueule de ce qui est en face, quoi. Voilà le Léviathan. J'ai oublié de vous préciser, cette chose est le gardien du trésor. Il a englouti mon pépère Roscoe. Et pourtant, il était grand, comme ça. Ah, non, j'oublie toujours qu'on n'a pas la vidéo. Je suis en train d'écarter les bras, là, en grand. Salvador, en défouraillage, le plus intéressant, c'est quand même d'avoir une arme à slag. Et une arme normale. Enfin, sauf dans les bas levels, vu que de toute façon, le slag ne fait quasiment rien. Ah merde, faut que j'aille directement piller le truc d'Hyperion, en fait. Ah, oh.